Il flotte. Ça me saoule. Pas de skateboard, sinon ça défonce les roulements. Du coup, ça va être métro. J'ai reçu un carton. Tu sais ce que c'est? Oui. C'est quoi? Bah, tu verras. Ah, surprise? Bon, je vais ouvrir ça. C'est une nouvelle technique d'ouverture, c'est la technique Bourrine. Voilà. Ouh, ça sent le Nutella tout ça. Bonjour, le 5 février est la journée la plus gourmande de l'année avec le World Nutella Day. Putain, on est le 7. J'ai loupé le World Nutella Day. Pour un envoi Nutella pour le World Nutella Day, ça la fout mal. Bon bah c'est le World Nutella Day. Merde putain, je l'ai cassé là direct. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un pot de Nutella d'un kilo. Histoire de fêter ça dignement. Qu'est-ce qu'on serait au fond de cette boîte? Bon, bah on peut dire que cette journée commence très, très bien. On va dire sous le signe du food porn, du bonheur et de l'enthousiasme. Bon, par contre, quand j'ai des cotillons, je ne peux pas m'empêcher d'aller shooter mes collègues. Valentin là-bas, il va prendre cher. Il va prendre cher. Cher. Bon voilà, cette journée commence maintenant. C'est parti. Bon, il est 12h47, j'ai rendez-vous à Vez, donc là où je donne les cours. Cet après-midi, je donne une table ronde avec Valentin du Cycle Digital, Arnaud et Catherine Servenet qui est une attachée presse. Du coup, on donne une table ronde sur l'influence, les nouveaux métiers, les nouveaux modes de communication, etc., etc. Donc je mange là-bas et ensuite on donne cette fameuse table ronde à 14h. Ça doit durer 1h30. Je suis venu un petit peu en avance, c'est ici que va se passer la conférence. Je suis pas toujours hyper à l'aise pour parler au micro, pour parler devant tout plein de monde. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais une seule crainte, c'était monter sur scène et parler devant tout le monde. Et là, mine de rien, avec Pee-wee, avec les vlogs, avec tout un tas de choses, bah, je suis de plus en plus exposé et je suis aussi de plus en plus à l'aise. Et ça, c'est plutôt marrant. Donc voilà, je suis content. Petite victoire sur le plan personnel. Bon, sinon, blague à part, je pose mes affaires. On va attendre que ça se remplisse un petit peu. C'est parti. Bonjour à tous, moi c'est Julien Fabreau, j'ai créé un site qui s'appelle Team Internet. Donc comme Valentin, j'étais à votre place il y a 3 ans. Voici Albéric, mon ancien prof de vidéo. Comment va Albéric? J'espère que ça tourne pas. Par contre j'ai l'air con avec mon petit matos hein. Ah oui. Bon, je peux vous dire que cette conférence m'a ouvert l'appétit. Alors, ce qui est bien quand t'es étudiant ici, c'est que t'as l'une des meilleures boulangeries de Lyon, c'est Pozzoli. Ça ressemble à ça. Et là, autant vous dire que les croissants, les pains au chocolat, etc., c'est une tuerie. Bon, au final, c'est un pain au chocolat. Alors, on me rapporte dans l'oreillette qu'il n'y a plus d'eau à Naoko Working. Donc, on a un petit peu peur de l'état des chiottes. Alors, contrôle sanitaire. Ça va, et là... Oh putain, c'est fermé. Oh le truc. C'est toi? Non. Yes. L'enfoiré.
Ouais, c'est... bon bah ça va être nickel moi la C'est l'Osmo mobile. Je suis désolé, ce plan ne fait pas partie du vlog initial, c'est une scène qui est rajoutée, mais il fallait que je vous explique un petit peu ce qu'est ce DJI Osmo. Il y en a bien un ou deux qui savent pas ce que c'est. Donc pour eux, cette séquence leur est dédiée. Le DJI Osmo, c'est un stabilisateur vidéo. Pour faire simple, c'est ce qui va donner une fluidité exceptionnelle à vos images. Ça va éliminer tous les mouvements et tous les tremblements. Du coup, on n'aura pas cette sensation de secousse comme on peut avoir dans pratiquement tous mes vlogs. Ça filme jusqu'en 4K, on peut faire des ralentis, ça filme jusqu'à 120 images par seconde. On peut faire des timelapses, avance rapide, tout ça. Mais le meilleur moyen de se rendre compte de la stabilisation d'une vidéo, c'est de faire un plan accéléré. Donc on s'est un petit peu amusé avec Guillaume, ça donne ça, retour au vlog, c'est parti. Bon, ce premier test était totalement pourri, on est d'accord. Bah, j'avais pas cette place. Ouais, on n'était pas bon. Du coup, on va faire un petit gymkhana de manière. Ok, donc toi tu te filmes, moi je te filme de dos. T'es prêt parce qu'il va falloir sauter et compagnie. Ah, mais moi je te filme de dos. Allez, c'est parti. Je fais un petit. Vas-y. Mais en gros, si, t'as 15 vous... secondes. Si jamais vous avez envie d'un Osmo, il y a 50 euros de réduction chez Lyon Image Photo Numérique. Image Photo Lyon Numérique. 5 secondes, pas mal. Voilà. Ouais. On va te la refaire. 50 euros offerts avec le code de réduction Guiruche Osmo jusqu'à fin février. Upgrade in progress. Bon, il dit des conneries. Yes, je parle anglais, regardez. Et là, t'arrives à me filmer là? Non, mais non, c'est en train d'être mis à jour. Ah, pff, amateur. Alors ce soir, il y a deux soirées prévues. Il y en a une à Now Coworking, Only Lyon pour ceux qui connaissent. Et il y a une soirée karaoké de prévue qui est organisée par les collègues de Lyon City Crunch. Bon du coup c'est là. Je pense que c'est un bar à karaoké. Hein. Vu le logo, à mon avis, on va danser ce soir. Là ça part en couille totale. Totale. Après cette soirée un petit peu spéciale, elle s'est cassée la voix, moi aussi. On pète la dalle, je crois que j'ai parlé 15 fois de bouffe dans ce vlog, c'est pas grave, désolé. On se fait un burger, Guy Hansen, c'est un des... on va dire ils sont dans le top 5 des burgers à Lyon. Bref, on va manger, je vous dis à bientôt, ciao les amis, salut.